et bienvenue sur ma clé de 12. Aujourd'hui, on remplace les vérins de coffre qui sont légèrement fatigués. Tu verras, super simple, c'est parti. Afin de réaliser le remplacement de tes vérins de coffre, dirige-toi à l'arrière de ton véhicule. Pour t'assurer un maintien en position ouverte du coffre, utilise un balai assez grand de manière à ce que les vérins soient totalement déployés. À l'aide d'un tournevis plat fin, soulève le clip métallique du côté le plus accessible. Pour éviter qu'il ne saute, maintiens une légère pression avec ton doigt. Répète l'opération à l'autre extrémité. Tire légèrement à chaque extrémité du vérin pour le libérer de ses points d'accroche. Au remontage, nul besoin de retirer les clips, ils sont prévus pour naturellement s'écarter. Positionne chaque extrémité du vérin en face de son point d'attache et exerce une légère pression. Répète l'opération de l'autre côté. Retire le balai, ferme le coffre, opération terminée. Et voilà, tu viens de mettre fin à un problème qui te gênait depuis si longtemps sur ton coffre, alors que ça ne prenait pas si longtemps que ça. J'espère que l'opération s'est bien passée, et je te dis à très vite.